population ébahie va enfin pouvoir percer les secrets qui avaient souvent été cachés pour de basses raisons politiques ou mercantiles et prendre conscience, enfin, du rôle phénoménal joué par la petite cité dans l'histoire de notre beau pays. Le chemin des personnages historiques les plus importants est passé un jour ou l'autre par Esquire. Tout commence au Paléolithique, enfin, à peine quelques jours plus tard, lorsque Monsieur de Rodertal, demeurant à la résidence des mammouths, c'est aujourd'hui maintenant le 14 juillet 1259. Et c'est un mardi. Il s'en est donc fallu d'un léger malentendu, je dis bien d'un léger malentendu, pour que la résidence du président de la République soit à Esquire. Et nous arrivons au temps moderne, le 19e siècle. Nous allons maintenant vous raconter pourquoi le projet pharaonique du canal d'Esquire a stupidement avorté. En conclusion, chers amis spectateurs, voyez que la ville d'Esquire a un lourd passé historique, méconnu. Il était important que chacun puisse apprendre le rôle parfois crucial qu'Esquire a pu jouer au cours de l'histoire de notre beau pays. Vous qui habitez cette ville ou ses environs, ou même pas trop loin, soyez fiers de ce passé glorieux qui, sorti de l'injuste pénombre l'enveloppant jusqu'alors, rejaillit aujourd'hui sur toute une population qui retrouve enfin la fierté d'être de ce pays où l'histoire avec un grand H, se mêle à la légende.